Alors, chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne. Grand plaisir, je vous retrouve. J'espère vous passer un très bel été. Vous vous régalez, vous allez passer de bonnes vacances si c'est pas déjà fait. Donc, les scorpions, on va regarder ensemble sous forme de croix celtique avec les anges de Michel-Ange Tarot. On a aussi une carte de tarot que je vais sortir. Je vais sortir deux signes qui pourraient être en correspondance ou en tout cas un ascendant avec quelqu'un. Une carte des murmures de la nature et trois cartes d'amour. Et puis une chanson possible. Possible. J'en avais une belle ce matin en me levant, mais vraiment ça a été quelque chose de sympathique de se lever avec une chanson comme ça. Dans la tête, j'ai dit merci les guides. Et c'était Balavoine d'ailleurs, hein. Je crois que j'ai capté Balavoine l'autre fois. Non, j'ai pas capté. Non. Ah, je croyais que j'avais capté Balavoine, la Ziza, pour quelqu'un, mais non. C'est pas la Ziza, hein. Ouais. C'était une chanson, aimer être aimé est plus fort que d'être aimé, et c'est des paroles qui me touchent au plus profond, parce que c'est vrai que tout ce qu'il dit, c'est exactement ce que je pense. Allez, go. Scorpion, scorpion. Scorpion, mois d'août, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Du coup, c'est parti pour que je le fasse avec vous. Oula, c'est flou. Au secours. Scorpion, ascendant et lune en scorpion. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient pour certains d'entre vous. Voilà, vous n'avez peut-être plus beaucoup à attendre pour obtenir un vœu ou peut-être pour sortir des difficultés. C'est un peu toujours les mêmes. Ah bah oui, la tempête est derrière. Magnifique. Je vais vous le sortir celle-là. Hein? Allez. Donc le tunnel, la sortie n'est pas loin. Donc déjà vous commencez avec une belle énergie. D'ailleurs, ça pourrait faire écho avec la tempête du passé. La tempête, voilà, c'est peut-être plus ou moins derrière vous pour quelques personnes qui pourraient se dire quand est-ce que ça va se terminer cette histoire, quand est-ce que je vais sortir de là. Hein, sortez-moi de là. Donc, ce que vous devez faire, justement, c'est l'autodiscipline. C'est vous arriver quand même avec essayer de vous autodiscipliner. C'est difficile parce que des fois, c'est plus fort que nous. On rumine, comme on dit, c'est difficile parce que tu rumines, c'est anxiogène. C'est-à-dire que vous pouvez ressasser des choses, tourner en boucle. Ça y est, déjà, je commence. Tourner en boucle sur quelque chose qui vous tracasse et ça ne vous aidera pas, aucunement. Donc, il faut penser moins et agir plus. Vie un jour à la fois, you understand, ok? Donc, la sortie du tunnel, la tempête, voilà. Vous devez vous mettre à l'abri de la tempête. La tempête, la prudence est conseillée sur le passé récent. Donc, quelque chose s'est passé. On vous dit de vous en protéger, de vous en éloigner, sûrement. Et de moins ruminer et de plus agir. Aujourd'hui, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin de bonheur. Donc, on vous souhaite plein de bonheur, tout le bonheur du monde et la réussite dans vos projets. Sachez que vous avez la force de créer votre propre succès. Adoptez la pensée positive, choose happiness. Choisissez la joie. Ce qui est une aide, c'est un avantage d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un dilemme. Ou en tout cas quelqu'un qui va pouvoir vous aider. C'est ça le truc. C'est que vous allez trouver le chemin du bonheur, peut-être grâce à quelqu'un. Une personne proche, peut-être un ami, un parent, un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter à évoluer. C'est une personne très intéressante pour votre évolution, on me dit. Dans votre cercle relationnel autour de vous, il y a quelqu'un qui est intéressant pour votre évolution et que vous pouvez tout lui confier, naturellement vos pensées. Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Voilà, c'est cool comme ils disent. Angel Assistance, c'est au cas où vous auriez un doute sur une personne. Des fois, c'est ça le truc. C'est que vous doutez parce que vous avez eu des mauvaises expériences avant, des personnes qui vous ont trompé, trahi, etc. Et vous avez l'impression peut-être que c'est tous les mêmes ou que ça se répète. Hein. On a souvent une répétition de schéma. Et que pour une fois, ça y est, il y en a un qui se détache ou une qui se détache, même si ce n'est pas amoureux. Hein.
Ça peut être une personne très importante pour vous et qui va vous faire grimper dans votre vie sentimentale ou professionnelle même, hein? C'est bien. Angel Assistance, donc on vous dit ma petite lumière, mes petites lumières, nous sommes capables de vous aider, de vous soutenir dans la difficulté, de vous apporter guidance et guérison. Vous avez notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière. Donc, ils sont autour de vous et ils sont là que si vous les appelez, bien sûr, parce que ils vous laissent le libre arbitre, hein, de ne pas y croire. C'est dommage d'ailleurs. Voilà, c'est dommage. Mais bon, beaucoup de personnes qui regardent les tarots, quand même, ont une conscience assez élevée pour savoir que on a des aides de partout et qu'on ne voit pas forcément, hein, on n'est pas dans le concret, mais on est dans le spirituel. Donc, et la foi aussi, c'est quand même important. Si vous n'avez pas de foi en quelque chose, je pense qu'on va un petit peu droit dans le mur, parce que c'est-à-dire que si un jour on est au plus bas et qu'on n'a pas la foi, ben on risque d'aller encore plus bas. Alors que si on a la foi, on a l'espoir et on sait que en priant, en étant positif, on finit quand même par s'en sortir, que si on commence à rechigner et pleurer et s'apitoyer. Et râler surtout, parce qu'il y en a beaucoup de râleurs qui disent ah. Bon, bref, good vibes. Voilà, bonne vibration, déchargez-vous de vos inquiétudes mentales. Donc ça veut dire que vous devez vous en référer aux anges et alors se décharger de vos inquiétudes, hein. Autodiscipline, c'est ça ce qu'on vous demandait. Ça fait un petit peu la réflexion ici entre l'autodiscipline, le mental qui boue et qui bouillonne et qui répète et qui s'inquiète et qui dit mais moi j'ai pas de chance et il n'arrivera jamais ce que je veux ou je m'en sortirai jamais. Alors que là, il faut se décharger, il faut opter pour une positive attitude et vous allez augmenter et faciliter votre cheminement spirituel et même personnel. Il n'y a aucun doute, hein? Il n'y a aucun doute. Loi d'attraction, donc on va être dans la loi d'attraction. Votre pouvoir, mes chers amis scorpions, c'est de penser positif et d'affirmer que vous avez quelque chose déjà, même si vous ne l'avez pas. La loi d'attraction, c'est je l'aurai un jour. C'est même pas je l'aurai un jour, c'est je suis imbibée des pubs, moi, c'est dingue. L'autre fois, c'était Midas. Mais. Ouais, c'est pas je l'aurai un jour parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire je l'aurai, donc automatiquement ça repousse au futur. Il faut dire je l'ai, je l'ai, je sais que je l'ai avec moi, je me vois avec, je me vois dedans, je me vois dans ce travail, je suis dans ce travail, je suis heureuse dans ce travail, j'ai un bon environnement, je me plais dans cette maison, j'ai une personne sur qui je peux compter aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas. C'est la loi d'attraction. Le passé. Il faut le faire au moins 17 secondes dans votre. Il faut avoir au moins une pensée de 17 secondes positive. Si vous pensez négativement, automatiquement, plus de 17 secondes, vous commencez à manifester dans la réalité. Donc, il faut changer cette pensée en quelque chose de positif. Si un jour vous vous chopez en train de penser négativement, essayez de remplacer de suite par derrière quelque chose de positif. Vraiment. Qui viendra annuler le négatif. Passé. Donc ça, c'est dans l'environnement. Voilà. Donc quelqu'un, quelque chose autour de vous, il faut laisser tomber. Laisser le passé s'en aller. Oust. Ne plus y penser, ne plus lui donner de l'importance. C'est quelque chose à tourner, une page. Donc comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. Toutoune. Hop. Enfin, cracotte, pardon. Parce qu'elle a tous les noms. Hein, Toutoune? Non. Elle me bouffe ma plume. La plume du paon, elle le bouffe. Bon. Non. Tu manges pas mes cartes. Ah oui, elle m'attaque. Oui, mais. Toutoune, viens là. Viens là. Allez, monte. Viens, derrière. Excusez-moi, lecture. Donc ça, c'est ce que peut-être vous avez besoin de lecture, de nourrir votre âme, peut-être de choses nouvelles, de choses qui vous plaisent, d'un livre qui vous plaît, qui vous tente. C'est peut-être le moment de s'inspirer, de lire, de vous tranquilliser l'esprit par une lecture. Voilà, on vous dit les livres offrent sagesse et nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit justement et à se recentrer. C'est de quoi on a parlé, hein, finalement. Donc prenez un thé vert et relaxez-vous. Donc on voit bien un week-end dans le passé, donc ça veut dire que vous allez commencer à prendre soin de vous, à partir en vacances, à vous déconnecter complètement. On me parle à la fin de semaine, si vous pouvez déconnecter vous, partez en vacances, hein,
parce que c'est quand même le moment. Laissez-vous porter au gré de vos envies. Donc, c'est peut-être déjà le cas sur le mois de juillet, parce que c'est légèrement avant, hein, avant la réponse. Savourez et appréciez chaque instant, cajolez votre corps d'attention, votre âme de tendresse, feel good, donc sentez-vous bien, vraiment. L'identité, donc ça c'est le résultat, quoi qu'il se passe, pour votre plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi, voilà. Et laissez le passé si ça va, ça vous convient pas, ou une situation passée derrière. Toutes les décisions que vous allez prendre sont justes, ce sont les bonnes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, les maîtres ascensionnés. Identité. Quoi qu'il se passe, choisissez toujours le meilleur. Et justement, le meilleur, c'est magnifique. Vous êtes vraiment une chouette personne, donc ça vient vous rassurer. Croyez en vous, encouragez-vous, sauvez-vous, sauve-toi, car personne ne le fera pour vous. Do you understand? Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc on vous dit bien que vous pouvez choisir toujours ce qui est le mieux et de vous mettre en valeur parce que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Allez, donc je fais un petit nettoyage. Non! Oui. Quick, quick. C'est qu'en plus, elle n'est pas contente, hein? Oh, elle en a après ma plume. Que j'arrête de mettre d'ailleurs. Plume. Alors, message pour les scorpions. Et oui, mais tu me fous le bazar là. Ah ben voilà. Ah merde, il y en a deux. Pardon. Waouh, c'est bien, parce qu'il y en a deux, mais des belles. Il y a le magicien, la justice. Deux lames majeures. L'éléphant. L'éléphant. Et le magicien, c'est le cheval. Là, je vois des animaux qui sont possiblement des animaux totems, vous savez. Hein, peut-être certains ont les éléphants comme animal totem ou le cheval. Ou peut-être un signe, le cheval, ça peut être un signe chinois. Au secours. Alors, la justice, c'est des décisions justes, ben justement, vont être faites après, alors, après All the Divine is with you and personally, have compassion. Vous devez avoir de la compassion pour les autres et essayer de voir tous les côtés d'un désaccord. D'accord, pesez les pour et les contre en fait. On vous demande de peser les pour et les contre, d'essayer d'être juste dans vos décisions parce qu'il y a une évidence qui va apparaître partiellement. Ouais, et on a ensuite le, on va dire le magicien qui dit l'uni. Ah mais c'est pas le cheval, c'est une licorne en fait. Bon, enfin bref, ça peut être un cheval. Hein. Pour moi, ça peut être un cheval. Une licorne. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez manifester ce que vous voulez pour être dans le succès, on va dire, pour réussir. Voilà, vous avez les capacités, on a l'infini. On a aussi une personne ici qui vient d'un karma, j'ai envie de dire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est déjà là, qui est là pour évoluer pendant un moment avec vous, parce que j'ai le magicien. Vous pouvez manifester beaucoup de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait la loi de l'attraction, c'est exactement ça. Le magicien, il a tout le pouvoir en lui et autour de lui pour manifester un nouveau travail, une nouvelle situation sentimentale, une décision qui lui importe. Après, peut-être avoir pesé les pour et les contre, regarder les désaccords, tous les côtés. Et de toute façon, on m'a dit que vous avez des décisions justes qui vont être prises. Hein. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes dans le juste. Donc, les signes possibles, hein, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Donc, soyez quand même... Parce qu'il y en a qui vont me dire, « Ah, mais moi, j'ai pas, moi, je suis, moi, je suis là. » Ben oui, ben, je peux pas me couper en quatre. Allez, ok, pour les scorpions. Scorpion. Scorpion, les signes qui sont en connexion avec les scorpions.
ascendant Lion et Taureau. Décidément. Beaucoup de rouge en ce moment, beaucoup de feu, hein. J'arrête pas de tirer des signes de feu et de terre aussi. Tiens. Lion et Taureau, donc en ascendant ou en signe solaire. Une carte des murmures de la nature, important pour vous, hein. Décisif. Ça peut être un nouveau départ sur un plan matériel, justice, un contrat, un mariage. Et puis on a le signe de la balance, et là on a le signe du gémeau et de la vierge. Allez, ça, il y en a une qui arrive. Ah! Ça saute de partout, hein. Oh! Faites vivre vos rêves, alors ça veut tout dire. Vous avez les capacités pour atteindre vos objectifs. En tout cas, ça va se dessiner dans l'avenir. Si vous avez des rêves, faites en sorte de les réaliser. C'est le moment. Faites vivre vos rêves, manifestez. C'est exactement ça, hein. Manifestez le plus beau. Vous êtes capable de mettre de la magie dans vos vies. Vous ne le savez pas, peut-être certains. Et c'est par la loi d'attraction, les pensées positives, le fait de s'imaginer déjà avec ce rêve. Oh, c'est magnifique, c'est très beau, hein, ces cartes, elles sont magnifiques. Moi, ça me berce. Il y a un enfant. Ça me fait penser au début de quelque chose. Voilà, vous avez un rêve. Vous êtes capable de le manifester. Il y a des lunes. Waouh. C'est magique. Vous faites un vœu. On voit qu'elle souffle. Elle fait un vœu. Faites un vœu. 5 et 2, 7. 7, c'est la spiritualité. C'est aussi. Ça me fait penser toujours au chariot, bien sûr, le 7 qui justement pose les pour et les contre et après qui réfléchit, après avoir réfléchi, va, prend sa vie en main. Donc ça c'est fait et il me reste l'amour et alors posez une question si vous avez l'occasion, on ne sait jamais hein, que ça réponde à une question spéciale, mais ça peut être aussi l'énergie générale. Qu'est-ce que les anges vont vous dire à ce sujet? Allez, message pour les scorpions. Quelle est la réponse aux scorpions? Occasion favorable. C'est magique. Hein? Il va y avoir une opportunité. Vous allez pouvoir faire vivre votre rêve. Vous allez pouvoir manifester un nouvel état, une nouvelle perspective, une nouvelle idée. Le rétablissement d'une situation qui était un petit peu compliquée, qui était désordonnée, un conflit, ça va se remettre en ordre, parce qu'on a la justice, c'est peut-être qu'on a enfin gain de cause, hein, par rapport à un conflit, à une personne, où il y a eu effectivement plusieurs situations qui ont été déstabilisantes pour vous, ça va se régler. Et il y a une occasion favorable pour vous, hein, voilà. Peut-être aussi avec un lion ascendant lion ou taureau ascendant taureau. Ça dépend. Et sentimentalement, on va faire un tour rapidement aussi. Il faudrait que je me mette sur une. Ah. Sur une chanson. Ah. Sur Google, voilà, dès que j'ai un mot, parce que je me dis, il faut que je pense à ma chanson en fait. Quelle chanson pourrait arriver? Ah oui, âme sœur, regardez-moi ça. Vous êtes en compagnie de votre âme sœur, vous allez la voir, vous allez bientôt la voir. qui dit âme sœur dit âme qui vient d'une vie précédente et qui est une personne avec qui vous pouvez aller très loin. Hein, comme le magicien, c'est éternel. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe hein, le logo. Mais, shape of my heart. Oui, shape of my heart. J'ai plus de petits papiers libres. Je ne sais pas qui c'est qui chante ça. Shape of my heart. Je vais le taper maintenant.
Shape. Alors, S-H-A. Où est-ce qu'elle est? P et E. Parce que là, je ne suis pas. Ah non, je ne suis pas dessus. Oh merde, pardon. Excusez-moi, hein? Shape of my heart. La voilà. Ah, Sting! Pourquoi ça me parle de ça? Sting, Shape of my heart. Bon, ben voilà. Bizarre. Allez, Scorpion. Je me remets sur la vidéo. Ouh, mais je suis pas en avance, moi. Scorpion, ascendant, lune en Scorpion. Ce sont les énergies générales pour les Scorpions, s'il vous plaît. Sentimentalement. Ruse malhonnête, une relation du passé. Une personne rusée, malhonnête, une personne du passé, qui est en lien karmique avec vous. Hein? Donc là, je pense plutôt à du toxique, à ce passé qui était marqué tout à l'heure avec les anges. Laissez le passé derrière. Hein? Pour certains, je pense que c'est quelque chose comme ça, qu'il faut laisser tomber, quelqu'un a oublié, quelqu'un à mettre de côté, ou en tout cas, soyez sur la prudence par rapport à une leçon aussi, en rapport avec cette personne qui peut revenir. Le karma, des fois, c'est quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Vous n'avez pas totalement compris tout ce qui se passait. Du coup, bah, ça revient sur le tapis. Allez, message pour les scorpions. Isolement. Femme. Magie. Relation magique. Donc là, soit il y a des célibataires, puisqu'on est en isolement avec une femme seule, une femme qui vit seule, ou qui n'a pas de communication avec vous, que vous connaissez ou pas, et bien c'est une relation qui va être envoûtante, qui apparaît. Un amour envoûtant. C'est pas mal, parce que ça veut dire que ça va s'arranger. Si vous êtes célibataire, vous allez trouver l'amour envoûtant, magique, vous savez, ce qu'on ne peut pas déterminer des fois, on est attiré l'un par l'autre, mais c'est plus fort que nous, on ne sait pas pourquoi. Et c'est souvent des âmes sœurs et des flammes jumelles qui sont attirées, voilà, comme ça. Après, attention aussi à ce terme magie, mais moi, je ne le vois pas non plus comme ça. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être vraiment dans une relation passionnelle, fusionnelle. Aussi bien que si vous n'êtes pas en communication avec quelqu'un et vous allez peut-être retrouver cette communication. En tout cas, ça peut être aussi une personne qui est temporairement partie en vacances, isolée, et pourtant c'est une relation très envoûtante. Voilà, ce sera tout, hein? Oui. Allez, je vous laisse donc. Merci à vous tous, mes chers amis Scorpions. Passez un bel été et encore plein d'amour pour vous. Bye bye.